procurer de la joie aux enfants en cette période de Noël. C'est tout le sens à donner à cette action menée au centre hospitalier universitaire d'Angonjé auprès des enfants internés. L'initiative est du directeur de la structure, Ponce Estelin Mfubu Nkolé. Le reportage d'Elvis Tali et Serge Nzengimabila. Centre hospitalier universitaire d'Ongondje, c'est tout le sens donné à cet arbre de Noël organisé par la direction générale de cette structure sanitaire. Traditionnel lieu triste, le service de pédiatrie et celui de la maternité ont été transformés en espace de rêve par la magie de Noël. Nous célébrons donc la fête de la nativité. Il était donc important pour les responsables du centre hospitalier universitaire d'Ongondje d'apporter un peu de réconfort, un peu de sourire, de gaieté, de bonheur pour ces enfants qui sont non seulement hospitalisés, qui passent donc le Noël hors de leur famille, mais dire à ces enfants qu'à l'hôpital, ils sont aussi au sein d'une famille. Le personnel médical, personnel infirmier, médecin et autres forment également une famille pour ces enfants qui se retrouvent à des moments assez circonstanciels à l'hôpital, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont malades. Sorti comme de nulle part, l'homme au bonnet rouge et à la barbe blanche est apparu aux enfants chargés de ses multiples cadeaux. Des cadeaux qui ont tout de suite suscité le sourire chez ces bouts de choux se trouvant malheureusement à l'hôpital en cette période de fête. Accompagné du directeur général du CHU d'Angonjé, le Père Noël a procédé lui-même à la distribution des cadeaux. Un geste touchant pour les parents. La direction générale, vraiment merci. Ça va droit au cœur. On dit merci au personnel et au directeur général. C'est un grand geste, c'est un enfant qui sort d'une maladie très grave. Donc le fait d'avoir un cadeau, c'est quelque chose qui peut donner une petite joie au cœur. Cette célébration qui commémore la naissance de l'enfant Jésus, sauveur de l'humanité, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Plusieurs humoristes invités pour la circonstance ont donné un cachet particulier à cette fête qui fut belle au grand bonheur des tout-petits.